Yo, gym rap, but it's sounding extra, extra, extra lame. Put you in your place, call that real estate. Rap in South Korea, that's where we fucking be. Fuck! Sikigami? Bienvenue à Séoul. 너랑 네 친구들의 꿈을 나는 다 알아 여자 가슴 한번 만져보게 아무것도 안 하면서 부럽다고 싫어하는 fuckboy들이랑은 I'm fuck with I'm fuck it man I'm fuck it 너가 원한다면 그냥 바라봐줄 수는 있지. Salut, aujourd'hui on se retrouve dans un quartier que vous connaissez déjà tous, dont tout le monde a déjà entendu au moins une fois le nom. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Donc le quartier de Gangnam, donc Gangnam-gu, pour ceux qui se rappellent de la deuxième vidéo que j'ai faite en expliquant un petit peu la géographie de Séoul. Donc Gangnam-gu, c'est un quartier EP en fait de la ville, c'est un petit peu c'est le quartier riche, hein, là où on va retrouver tous les grands magasins, toutes les grandes enseignes. Là je suis sur une grande artère, on va dire l'avenue principale. On pourrait comparer un petit peu aux Champs-Élysées en France, parce que c'est vraiment là où il y a vraiment tous les magasins de marque. Là, pour le coup, tout à l'heure j'ai vu donc Nike, New Balance, Levi's, etc. etc. Enfin... quartier animé, on sent que les gens viennent ici pour faire les boutiques parce que de toute façon il n'y a que des boutiques quoi. Il y a vraiment, si à la limite il y a aussi des cafés parce que les Coréens sont vraiment très friands de café, ça j'en reparlerai plus tard. Voilà, là on a même, vous vous rappelez quand on parlait de cacao mobile, et ben voilà les magasins encore une fois, il y en a vraiment partout. Rappelez-vous quand je vous disais que les Coréens étaient ultra disciplinés, ça c'est la queue pour prendre le bus. C'est connu pour sa ville et son quartier à ciel ouvert, hein. Mais c'est aussi un des quartiers de Séoul qui est connu aussi pour sa ville souterraine en fait, parce qu'il faut savoir que donc, Séoul a un énorme réseau de métro et qu'entre ces stations il y a forcément donc, des correspondances et des centaines de mètres à parcourir à chaque fois, et ils en ont profité en fait pour implanter un vrai centre commercial souterrain en fait, avec plein de boutiques, des centaines et des centaines de mètres carrés de boutiques. Alors ça va de la simple vente de coques d'iPhone au magasin de vêtements, au magasin de portables juste ici, de bijoux. Vous vous rappelez dans le dernier vlog, on vous avait dit avec Fred qu'on voulait aller visiter une tour en particulier avec un sol en verre, etc. etc. Donc ça c'est la Lotte Tower. Et on y va maintenant tout de suite là. Et on reviendra à Gangnam plus tard dans la soirée pour vous montrer le quartier cette fois de nuit. Donc c'est parti, on se retrouve à la tour. Donc je commence à chercher un petit peu autour de moi et à me dire mais en fait je suis pas au bon endroit. Et j'avais juste pas levé les yeux en fait. Ok, donc je viens vraiment à peine de rentrer dans la tour et on comprend directement le côté très luxurieux de l'endroit dans lequel on est. Juste à gauche de l'entrée on a Louis Vuitton, ici on a Chanel, là on a Burberry, Hermès, Cartier, etc. etc. Enfin il n'y a que des grandes marques. Alors pour comprendre l'existence de cette tour et pourquoi autant de luxe en fait autour de ça, il faut... Je vous explique en fait ce que c'est Lotte. Donc Lotte Group, c'est un groupe qui a l'origine japonais, il me semble, je suis pas trop sûr là-dessus, mais qui en tout cas est un des principaux groupes commerciaux en Corée du Sud, qui pèse près de 3 milliards de bénéfices nets par an. Donc c'est, je parle même pas en chiffre d'affaires là, je parle vraiment de bénéfices nets, et ils sont dans toutes les industries, que ce soit du bâtiment, de la grande distribution, de l'agroalimentaire, du tourisme, du BTP, enfin vraiment tout, ils font tout.
Ils ont même aussi beaucoup à travers tout Séoul, ce qu'on va appeler de department store. Donc je viens juste de voir qu'il y en a un en face en fait. Le bâtiment aussi, c'en est un. C'est des sortes de grandes galeries Lafayette puissance 10. Là je viens de réaliser qu'on n'est même pas encore dans la tour en fait. La tour est là. Et je suis juste dans la... dans le contour en fait de la tour qui est déjà un méga department store à lui tout seul. Je suis tombé sur une dame qui m'a renseigné et il faut que je descende, que je redescende au moins un. Et on montre aussi les ascenseurs pour éviter de refaire à tout. Que je redescende au moins un pour acheter un ticket en fait pour la Sky Tower. Parce que là on est dans la partie duty free donc de la Lotte Tower. Donc, c'est tous les magasins qu'on vient de voir et le luxe, etc. Et nous on veut descendre au moins un pour acheter un ticket pour pouvoir monter tout en haut de la tour, puisque bah, toute la tour ça reste des bureaux, etc. etc. Et la partie qu'on a le droit de visiter en fait c'est uniquement le sommet de la tour avec la vue panoramique, le sol en verre, etc. Roaring Stone, Roaring Stone, I keep in Tokyo everywhere. Bukuro Hat Shibuya Iki. Bukuro Hat Shibuya Iki. Tokyo City. Shibuya Hat Sekai Iki. Shibuya Hat Sekai Iki. Tokyo City. Je viens d'arriver au niveau de l'ascenseur, je crois. Avec le bel effet visuel derrière. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ah, donc voilà, là on voit la construction de la tour. On vient d'arriver au sommet de la 9e plus grande tour au monde et c'est impressionnant. On est à 556 mètres d'altitude. Il y a 23 étages dans cette tour. Donc je dis que c'est la 9e, mais d'ici 2020, elle sera déclassée, elle sera plus que 10e. Parce qu'en Arabie Saoudite, il y a la King Tower qui est en train d'être construite, qui va faire cette fois-ci le double, 1 km de haut. Elle fera 1001 mètres de haut, elle a déjà entamé sa construction. Une dernière chose que j'avais oublié de vous dire à propos donc de Lotte, Lotte Tower, Lotte Centre Commercial, tout ça, etc., etc. Ils ont une troisième chose aussi qui est gigantesque et en plein centre de Séoul, c'est le Lotte World. Alors tout simplement, ils ont très bien copié Disneyland en version tout petit. C'est un petit îlot au cœur de la ville. Donc là, voilà. Je pense qu'on peut pas bien voir la caméra, mais il y a des manèges qui tournent. C'est vraiment un mini Disneyland. Ils ont même reproduit le château de Disney. Les peluches qui y sont, c'est presque les mêmes qu'à Disney, etc. Et donc, dernier petit point d'histoire, promis. Donc, cette tour, la Lotte Tower,
Ça fait 12 ans qu'elle est en construction parce qu'elle a eu des gros gros problèmes et elle est restée bloquée pendant plusieurs années à cause d'une limitation due à l'aéroport qui est pas loin en fait. Et donc ils pouvaient pas construire plus haut et cette limitation a été levée en 2009 et donc ils ont pu enfin la terminer. Et je crois que ça y est, ça fait 2 mois qu'elle est ouverte, peut-être 3-4 mois, je sais pas. Mais ouais, vraiment, elle est toute neuve quoi. Et donc là, je viens d'arriver au fameux endroit dont vous avez parlé avec Fred. Ouais, c'est pas rassurant du tout. Voilà, je suis 556 mètres au-dessus du vide. La tour qu'on a visitée la dernière fois, elle est minuscule, elle est toute là-bas. Alors vous, je pense que vous pouvez rien voir à la vidéo, mais même pour moi, elle paraît vraiment toute petite. Bon, cette fois-ci, je me suis encore égaré. Enfin, j'ai voulu prendre un chemin différent pour redescendre, et on tombe sur des trucs, mais voilà. Voilà, seulement visible en Corée. Ils mettent des décorations partout. Enfin, voilà. Et là, on est en intérieur. On est à l'intérieur d'une autre partie en fait du pied de la tour. Tout à l'heure, on est rentré par une partie du pied et là, on est sur une autre partie. Voilà, là, il y a des fontaines. Décidément, je vais jamais en sortir de ce truc assez gigantesque. Ils ont même un aquarium. Voilà ce que j'ai commandé, donc un bibimbap. Alors c'est un plat typiquement coréen. C'est un mélange un petit peu de légumes, d'algues, d'herbes, de viande, donc de bœuf, d'œuf aussi. Un petit peu tout. Donc là on a aussi tout ce qui est... Alors ce qui est toujours servi avec n'importe quel plat que vous prenez en Corée, c'est du kimchi. C'est du chou mariné avec du piment. Et bon, souvent vous trouvez aussi une petite soupe comme ça. C'est quelque chose de très très culturel et répandu en Corée et on le verra en fait en plus en détail dans un prochain épisode quand on ira visiter un autre quartier où là il y a toute une rue qui est vraiment dédiée à la street food en fait. C'est tous les marchands s'alignent et c'est parti quoi. Hey. Info, vous trouverez jamais une seule baguette dans un foutu Paris Baguette. Ça n'existe pas chez eux.
ne connaissent pas le pain. Il y a que nous en France qui connaissons le pain. C'est... Bon, on va se quitter maintenant du coup parce que il commence à être tard hein, puisque les magasins sont largement fermés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si au final elle doit faire un petit peu fourre-tout avec Enfin, on a beaucoup bougé quoi aujourd'hui, on a vu la tour, Gangnam, deux jours, deux nuits, etc. Donc, n'hésitez pas toujours à me dire ce que vous en avez pensé, hein, à me laisser des commentaires, à mettre des likes si vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir d'avoir un ressenti pour pouvoir se dire la prochaine vidéo, je vais la faire un peu comme ça, un peu comme ça. Enfin, j'essaye différents types de vidéos, un peu, voir ce qui plaît. Enfin bref, d'ici là, voyagez, découvrez, explorez. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le Bienvenue à Séoul numéro 6. Yeah. I'm a man to the game, I get thrown out with the bouquet. Coax, butter, bottle, never shit my moon, no muscle, like a fishing in a buffet. You can have it, you see through nothing but big skinny dipping down the bouquet. Homer, I got if you forgot, then I'm hot, then I'm coming at you like a toucan.